Hellcat. Hey, salut à tous, c'est DFX09, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour cette fameuse vidéo, donc les 100 abonnés et aussi la FAQ. Donc tout d'abord, je tiens sincèrement à vous remercier chacun d'entre vous parce que c'est un truc de dingue pour moi, j'en reviens toujours pas. Parce que lorsque j'ai créé ma chaîne en 2015, donc fin 2015, j'aurais jamais cru, mais vraiment jamais cru passer les 30 abonnés. Pour moi, ça aurait été vraiment le truc le plus fou qui pouvait m'arriver. Et aujourd'hui, je suis à plus de 100 abonnés, donc c'est grâce à vous. Donc un grand merci à vous tous, toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci aux personnes qui commentent, qui likent mes vidéos et aussi ces personnes qui participent à mes vidéos. Vous êtes nombreux de plus en plus, c'est vraiment cool ça. Et aussi aux abonnés, aux personnes qui m'écrivent des messages, qui me soutiennent, qui me proposent des choses à faire. Donc c'est vraiment super cool de votre part. Donc je vous remercie vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Et juste avant qu'on commence cette FAQ, j'ai 2-3 choses à vous dire très rapidement. J'espère que cette vidéo ne va pas durer trop longtemps. En tout cas, peut-être qu'il y a un petit... j'ai un peu touché mon micro, enfin bref, c'est pas grave. Donc... j'ai quelque chose à vous demander. Tout d'abord, c'est le nombre de vidéos par semaine. Donc, j'aimerais savoir si vous voulez que je mette une vidéo par semaine, deux vidéos, une vidéo par jour, deux vidéos par jour, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est important de savoir comment vous voulez que je fonctionne sur ma chaîne, le nombre de vidéos que je pourrais mettre sur, par semaine, en fait, tout simplement. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous pourrez... du contenu régulièrement ou plutôt espacé et puis peut-être quelque chose de plus différent. Donc j'attends vos propositions. Ensuite, je lance des défis sur ma chaîne. Donc c'est simple, c'est à dire que vous pourrez désormais me proposer de tout et n'importe quoi comme défi. Donc ça peut aller du stunt, truc en BMX, course what the fuck, pour que vous ayez une notion. Donc j'ai déjà reçu quelques propositions de courses. Donc j'attends juste de voir quelle course je vais devoir faire en vidéo. Et en plus de ça, les gens, ils ont aussi choisi des véhicules différents. Donc, par exemple, je sais que ça peut arriver que je dois faire, par exemple, un looping avec une vaca. Donc, vous voyez. Après, c'est aussi à vous de me dire si vous voulez qu'elle soit custom ou pas. Donc, vous voyez, je vous laisse vraiment libre à vos imaginations. Mais essayez peut-être pas de m'amener des trucs trop vaches, parce qu'à mon avis, ça va être chaud. En tout cas, voilà, l'idée, c'est que vous participiez vraiment le maximum... à mes vidéos. Donc si vous avez envie de participer aussi à me proposer des défis, par exemple de courses ou des activités, dans la description de cette vidéo il y a le lien pour le Rockstar, le social club en fait de Rockstar. Donc vous cliquez dessus, ensuite vous choisissez si vous voulez des courses, des affrontements et tout ça, et vous me proposez aussi, par exemple si c'est des courses, le véhicule qui va avec. Par contre, faites juste attention parce que certaines courses on peut pas utiliser tous les véhicules, donc ce serait dommage de me proposer une course par exemple en super sportive et que vous me proposez de prendre la Ponto, vous voyez quoi. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Donc après, si vous avez des idées aussi d'activités, n'hésitez pas à me les proposer. C'est volontiers que je prends toutes les idées là. Et encore la dernière chose que j'ai à vous dire avant la FAQ, que j'envisage soit ce vendredi soit la semaine prochaine de faire un live. Donc ce sera un live vraiment spécial pour vous, pour remercier encore une fois des 100 abonnés. J'envisage, si je venais à le faire, en fait, ce vendredi, je pense aux alentours de 21h30. Et si je le fais pas cette semaine, ce sera sûrement la semaine prochaine, donc à voir. Mais de toute façon, je mettrai en ligne une petite vidéo informative où j'expliquerai vraiment tous les détails et aussi via Twitter. Donc pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Twitter, je vous conseille vivement, tout simplement parce que c'est là-bas que je suis très actif, que je mets beaucoup d'informations lorsque je lance des activités et puis que j'ai des nouvelles à vous dire ou pour parler tout simplement. J'ai aussi Facebook, mais je suis pas trop là-dessus, donc à vous de voir. En tout cas, j'espère sincèrement qu'elle vous plaira, cette petite FAQ. Donc c'est parti pour la toute première question. Donc, quel âge as-tu et quelle ville? Alors, j'ai 23 ans. J'habite en Suisse, dans une petite ville. Une petite ville qui est à peu près quand même
à peu près 40 millions d'habitants. 40 millions, oh là là, mais ça va pas ou bien? Non, 40 000 habitants, pardon. Ah, ça commence bien. Non, 40 000 habitants. Il fait très froid. On est à 1000 mètres d'altitude. On est réputé pour ça, donc voilà. Si vous voulez savoir un peu plus de détails, ben, je ferai peut-être une nouvelle FAQ avec plein de choses, mais je pense pas que le but c'est vraiment de rentrer trop dans les détails. En tout cas, voilà. J'ai 23 ans, j'habite en Suisse, dans une ville où il fait très, 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 très froid. Voilà. Ensuite, comment as-tu rencontré Sanka? Bonne question. Non, je rigole. Alors, ça s'est fait début. Enfin. Début janvier, je crois, début milieu janvier. C'était un mardi après-midi, si je dis pas de bêtises. J'étais avec Monsieur Roux. On avait prévu de tourner du contenu. Et puis, en fait, juste avant, j'ai voulu aller sur Facebook pour regarder un truc. Il faut savoir qu'en fait, je suis dans un groupe à 100K. Donc, c'est dans la description aussi de la vidéo si vous voulez le rejoindre. Et du coup, ce jour-là, il cherchait du monde avec qui jouer l'après-midi via Skype. Puis, je me suis dit, wow, ça pourrait vraiment être une opportunité vraiment chouette. Bon, après, bah, j'ai posté le Skype à Monsieur Roux et le mien. Et puis du coup, bon, il y avait quand même quelques exigences, donc il fallait quand même être sur PS4, ce qui est un peu logique. Avoir un Skype et puis aussi un bon micro, ce qui était important. Donc, après, ils nous ont pris, tout s'est bien passé. Et puis depuis, ben, j'ai la chance, c'est que de temps en temps, ben, j'ai Sanka qui vient me parler sous Skype et puis qui me propose de faire des activités avec lui, Louchka et tous les autres. Donc c'est vraiment super chouette, j'ai beaucoup de chance, j'avoue. Mais après, comme j'ai déjà dit à quelques reprises, ça aurait pu arriver, je pense, à n'importe qui d'entre vous. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'être là au bon moment, au bon endroit. Donc c'est cool, quoi. Du coup, voilà comment j'ai rencontré Sanka, tout simplement. Ensuite, ça fait combien de temps que tu voulais débuter sur YouTube? Alors c'est simple, et en même temps, ça va être un peu compliqué. Donc accrochez-vous. Non, à vrai dire, j'avais eu une première chaîne il y a. Très longtemps en arrière, donc à la base c'était juste pour faire des playlists. Donc je mettais en playlist, puis une fois que j'étais chez moi ou avec des potes, ben, je mettais pour que ça tourne en boucle. Donc un peu comme tout le monde à la base, peut-être, enfin je sais pas. Et ma toute première vidéo de gaming, ça s'est fait sur le jeu Age of Empires 2 sur PC. Donc c'est un jeu que je kiffe, franchement, il est ancien. Mais si vous avez l'opportunité de l'essayer, franchement, ça vaut la peine. C'est un jeu qui est vraiment sympa, stratégique. Donc, regardez si jamais vous ne connaissez pas ce jeu sur YouTube, mettez Age of Empires 2. Donc voilà. Donc ça a été vraiment ma toute première vidéo d'un jeu. Ensuite, j'avais créé une deuxième chaîne quelques années plus tard parce qu'en fait, je voulais à la base faire du gaming et aussi ben, pour avoir... quelques musiques, playlists comme ça que je mettais dans mes favoris. Et il faut savoir qu'après ça, j'avais commencé à faire des vidéos sur Call of Duty Modern Warfare, donc Code 4. Donc à la base, j'avais mis surtout des petits montages où je faisais déjà. Je montrais comment faire le glitch du Elevator. Donc ça consistait à aller à quelques endroits de la map. Et après, avec quelques manipulations, on pouvait. En fait, ça faisait comme un ascenseur quand on décollait. Puis après, on pouvait marcher un peu dans le vide et puis sortir de la map. Donc, c'était vachement intéressant. D'ailleurs, si un jour, je pense que je dois avoir quelques vidéos qui doivent traîner sur mes disques durs, je regarderai. Puis pourquoi pas, peut-être vous la proposer une fois. Après, c'est vrai que la qualité n'est pas non plus top top. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Hein, pourquoi pas, je peux essayer de mettre genre une petite playlist sur ma chaîne Oldies où je mettrai mes anciennes vidéos. Puis je vais commenter maintenant pour vous parler un petit peu. Mais bon. Après, ben voilà. Et puis, si j'ai pas commencé de vidéo aussi après vraiment à fond l'année dernière, c'est que tout simplement j'avais pas de boîtier d'acquisition. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est un Elgato Gaming HD60. Et quand j'ai voulu commencer à faire des vidéos, donc ça c'est. J'ai commencé à y réfléchir vraiment, c'était l'été dernier, donc en 2015. Et à la base, c'était pas du tout pour du GTA. Parce qu'il faut savoir que GTA, en fait, j'avais arrêté pendant à peu près, je pense, 8 mois facilement. Et un jour, bah, je suis retombé sur des vidéos, des courses What the fuck. Ça m'a donné envie déjà de rejouer à ça. Donc, j'avais commencé. Et puis, du coup, après, bah, je me suis lancé. Donc, je disais, oui, à la base, je voulais pas du tout faire du GTA. C'était à la base du Minecraft. Ça peut paraître étonnant. Et oui, c'est un jeu que, franchement. J'ai pas touché depuis un moment maintenant, mais j'ai toujours voulu faire le mode solo en fait. L'histoire, enfin, il n'y a pas vraiment d'histoire, on peut faire ce qu'on veut dans le jeu. Mais à la base, je voulais faire les petites histoires
simple, donc le mode vanilla de base, c'est-à-dire que je partais de rien, j'allais construire une ferme, genre de choses, une maison, tuer le Ender Dragon, et puis après, bah, je pensais encore avoir un stuff full diams enchanté niveau 30, genre de choses. Et c'est un truc qui me tient à cœur, puis peut-être qu'un jour je le ferai, je ne sais pas, on verra bien. Mais à la base, c'était pas du tout pour du GTA, donc voilà. Puis du coup, avec un boîtier d'acquisition, c'est beaucoup plus simple après pour faire aussi ses enregistrements, et puis voilà. Donc ça fait quelques années que je voulais venir sur YouTube. Puis là, je me suis dit, bon, on va se lancer, on va voir ce que ça va donner. Puis vous avez aujourd'hui le résultat après quelques mois, donc voilà. Ensuite, mon nom. Alors, en plus, j'ai failli le dire sans faire exprès. Non, à vrai dire, pour l'instant, je tiens quand même à rester un minimum dans l'anonymat. Mais un jour ou l'autre, ça va, vous allez le savoir, ça c'est sûr. Et on m'a aussi demandé, comment montreras-tu ta tête? Est-ce que tu attends un palier en particulier ou pas? Oui et non, c'est-à-dire que pour l'instant, j'envisage pas de montrer ma tête ni me dévoiler qui je suis réellement. Mais selon le nombre d'abonnés que j'aurai dans l'avenir, ben oui, ça va se faire. Tôt ou tard, ça va se faire, je pense. Quoi qu'il arrive, mais pas tout de suite. Pour l'instant, j'essaie quand même d'avoir une base assez solide, de m'installer correctement sur YouTube, j'allais dire Facebook, non, sur YouTube, parce que mine de rien, ça fait que quelques mois que je suis dessus, donc pour l'instant, c'est pas dans mes objectifs, voilà. Ensuite, tes vidéos sont-elles monétisées? Non, pas du tout, ça m'intéresse pas, je suis vraiment là pour m'amuser, même si certains auront peut-être vu que j'ai quand même la possibilité de faire des dons sur Twitch. Pourquoi j'ai mis ça en place, c'est tout simplement parce que, bon, je vais déjà répondre à cette question, parce que j'envisage de faire des concours, et puis pour faire des concours, il faut quand même un minimum de sous, et c'est vrai que je peux quand même mettre un peu de sous, mais ça c'est vraiment pour les gens qui souhaitent contribuer à la chaîne, et puis à vous faire aussi des cadeaux, c'est ça en fait, uniquement dans ce but, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est vraiment officiel, donc j'engage personne à faire ça, et vous avez peut-être constaté que j'ai jamais fait de pub, donc ça m'intéresse pas. Mais non, mes vidéos ne sont pas du tout monétisées, voilà, ça c'est dit. Ensuite, vas-tu faire des vidéos avec nous? Oui, deux sortes de vidéos. La toute première, c'est que de temps en temps, je vais tout simplement organiser des rassemblements le week-end, je pense plutôt les week-ends, du style on va se retrouver en jeu, on ira à la base militaire, faire des activités, plein de choses, donc ça c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. D'ailleurs je pense que ça va pas trop tarder, je vais essayer d'organiser ça prochainement, donc on verra bien. Et pour la suite, donc je sais que certains d'entre vous, de mes abonnés, ont une chaîne YouTube en fait. Et ils m'ont déjà proposé si on pouvait faire des vidéos, et puis alors la réponse est oui. Donc pour les personnes qui souhaitent que je vienne faire des vidéos avec vous pour votre chaîne, c'est avec grand plaisir. Pour ça, il suffit de me laisser via sur Twitter un petit message en me laissant vos PSN, vos Skype, à moins que vous ayez autre chose pour enregistrer les voix, je sais pas, vous de me le dire. Et je viens volontiers faire une ou deux activités avec vous pour votre chaîne. Et après, si je vois que tout se passe bien, volontiers, on continuera, mais voilà. Après, c'est vrai que des gens, ils proposent des choses, viens, on fait des vidéos et tout, mais il faut voir comment ça se passe. Faut savoir que toutes les personnes avec qui je joue, ça s'est pas fait comme ça, rajoute, on fait une vidéo, non. Faut quand même voir comment ça se passe, s'il y a le feeling, parce que franchement, si c'est pour tourner des vidéos avec des gens où ça se passe pas forcément bien, ça vaut pas la peine, quoi. Donc voilà. Mais comme je dis, je suis là pour rencontrer du monde, donc c'est avec plaisir que je viens d'en faire des vidéos avec vous. Voilà. Ensuite, comptes-tu faire une chaîne multigaming? Oui et non. C'est un sujet que j'ai pas mal réfléchi ces temps-ci. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut réellement la peine de faire une chaîne, une deuxième chaîne multigaming ou bien pas? Franchement, je suis dans le doute. J'hésite quand même à garder ma chaîne actuelle. Je me dis que c'est beaucoup plus simple d'un côté. Mais après, il faut voir. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, voilà. Ensuite, l'autre question, c'était, comptes-tu faire des concours? Donc, la réponse est oui. Je compte faire des concours. J'ai failli en faire un pour cette FAQ. Malheureusement, avec un peu faute de temps. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas déjà commencer avec une FAQ. Donc, voilà. Mais en tout cas, oui, il y aura forcément, de temps en temps, des concours. J'ai déjà des idées, justement, pour le premier concours. Donc, je ne sais pas quand je le ferai, par contre. On verra bien. En tout cas, voilà. Ensuite, vas-tu créer un crew? Tout de suite, non. Mais j'attends d'avoir un certain nombre d'abonnés, en fait. Parce que pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt de créer un crew. Mais j'envisage d'en faire un. Je ne sais pas quand. Donc, voilà. Ça, c'est dit.
Ensuite, une autre question. Donc, as-tu un yacht? Si oui, peux-tu faire une vidéo? Oui, j'ai un yacht sur GTA 5 Online. Et pourquoi pas faire une vidéo? Oui, je peux bien. Je vous ferai volontiers une vidéo. Par contre, je sais pas si ça vaut réellement le coup ou pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Après, si vous me dites que oui, vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, je vais faire en sorte d'avoir avec moi quelques abonnés. Comme ça, on pourra faire un petit montage vraiment sympa. Donc, c'est à vous de me proposer si ça vous dit ou pas que je fasse une vidéo sur mon yacht. Nous arrivons bientôt à la fin d'ailleurs de cette FAQ. On passe juste à une autre question. Jusqu'à quand continueras-tu à faire des vidéos sur YouTube? Alors, jusqu'à quand, je ne sais pas. Ça dépendra en fait de mon temps libre. Si un jour j'ai vraiment plus de temps pour jouer, malheureusement je pense qu'il faudra que j'arrête. Mais à l'heure actuelle, j'ai aucune envie d'arrêter. Je me sens vraiment bien où je suis. Je m'amuse. Je prends du plaisir et j'ai le temps. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas prévu que j'arrête. Voilà. Ensuite, on a une question de Scalerio. Donc, salutations à toi, Scalerio. Alors, juste avant que je pose sa question, donc, allez-y voir sa chaîne, pas sa vidéo. Allez voir sa chaîne. Franchement, le gars, il fait des vidéos incroyables. Vous allez bien vous marrer, des trolls bien sympas. Donc, c'est dans la description de la vidéo, sa chaîne. Donc, Monsieur Scalerio, enfin. Scalerio, mais moi j'appelle Monsieur Scalerio. Donc voilà. Et lui m'a posé comme question, quel est ton youtubeur préféré? Alors bien sûr, mon youtubeur préféré est Defix09. Non, je déconne. Sincèrement, j'ai pas de youtubeur préféré. J'arrive pas. C'est vrai que je regarde beaucoup de youtubeurs, que ce soit dans les jeux, documentaires, dans la musique, plein de choses. Donc voilà. Par contre, dites-moi dans les commentaires quel est ton ou tes youtubeurs préférés. Moi, si je dois un petit peu parler vite fait comme ça, donc c'est vrai que je regarde par exemple beaucoup de youtubeurs qui font des jeux. Il y a Diablo X 9, franchement, je kiffe sa façon d'être, ses vidéos. Après, je regarde tous ceux qui font un peu des GTA, donc il y a 100K, je regarde aussi Nixo, je regarde Scalerio. IDFX09, attention, allez-y, abonnez-vous à sa chaîne, ça vaut la peine. Après, je regarde aussi un peu tout rien, donc je regarde aussi Doc7, c'est très intéressant, il fait pas mal de petites choses intéressantes, géographiques, d'histoire, pas mal de choses, donc franchement, ça vaut la peine aussi d'aller voir ses vidéos. Après, j'aime aussi beaucoup Pierre Cross, qui fait des sketchs, à la base, il a fait avec des graves, franchement, ça vaut la peine, c'est vachement chouette. Après, j'aime bien le Whoop, Mister V, plein de choses, donc vous voyez, c'est vraiment très varié, donc voilà. Après, encore deux autres questions avant la fin de cette FAQ. As-tu un chat? Non, j'ai pas de chat, j'ai pas d'animaux de compagnie. donc voilà. Est-ce que vous en avez? Moi, personnellement, j'adore les chiens, c'est vrai que... Il y a quelques temps en arrière, j'avais un Doberman, une race de chiens que je kiffe, franchement. Et depuis, j'ai plus depuis quelques années, mais voilà. Et enfin, la dernière question de cette FAQ. As-tu la PS3? Oui, j'ai la PS3, mais elle est vraiment dans un placard où j'y touche plus. Elle est débranchée. C'est vrai que depuis la sortie de la PS4, j'ai pas vraiment joué. De temps en temps, ça m'arrive encore de la sortir vite fait pour essayer un ou deux jeux que j'avais à l'époque qui me donnent envie. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dit que je fasse de temps en temps des FAQ comme ça. Peut-être que je ferai d'une façon un peu différente, à voir. En tout cas, je tiens encore une fois à vous remercier à chacun d'entre vous qui s'est abonné à ma chaîne. Merci pour votre soutien, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas non plus à me laisser dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite introduction que j'ai faite. En tout cas, je vous remercie à tous, vraiment. J'espère que l'aventure va durer encore très 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 longtemps. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.